Et salut tout le monde, c'est Jordan, bienvenue sur la chaîne Casu. Et ce soir, on va terminer le bonus de Detectives United, pardon. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et mettez-vous confortablement parce que ça va chauffer. Ah bah oui, ça chauffe. Je vois que l'ordre des Mystery Trekkers savait protéger leur savoir. Je suis cependant assez intelligent pour trouver comment contourner les mesures de sécurité. Ouais. Une fiche à faire. Ça veut dire qu'il nous en manque une. On a dû en louper une dans l'aventure principale. On dirait que c'est pas la fin du monde. C'est quand même dommage. Il manque un livre. Il manque un livre ou un truc comme ça. Alors, est-ce qu'on a encore des trucs à faire par ici? Oui, là, on a un batracien. Ou un truc comme ça. Il faut... Ah, je l'avais pas vu, celui-là. Ah bah ouais, en plus, il nous en manque deux. Donc on en a forcément loupé quelques-uns. Bon, c'est pas grave. On trouvera ailleurs. Donc apparemment, on a des trucs à faire ici. Oui, le poisson. Excusez-moi. Le poisson. Donc ça, c'est bon. Et l'arbre, on a aussi quelque chose à faire. L'épée. On va pouvoir couper l'épée. Comme ceci. On a une garde travaillée. D'accord. Ici. Ah, ben oui, la garde. On va pouvoir la placer ici. Le poisson. Waouh, les Mystery Trekkers du passé étaient en avance sur leur temps. Ça ressemble à l'invention de l'électricité. Et ça, c'est quoi? Conducteur expérimental. Ça va sentir la décharge. La décharge électrique. Un autre livre. Parfait. On va pouvoir mettre la grenouille ici. Oh, un livre en métal. Est-ce que c'est ça qu'il faut lui mettre? Yes! Enfin, j'ai passé trop de temps à essayer d'entrer. Je dois vite trouver l'image de réveil pour James. Est-ce qu'il y a un objet métamorphe? Ben oui, voilà, c'est ça. On est bien. 29 sur 30. Je m'en veux pas trop. Pas comme si j'en avais 3 de retard, quoi. 3 clés différentes. Ah, il nous faut les 3 clés et ça va à tous les coups activer un truc. Ouais, une cloche. Une tasse de café. Une paire de lunettes. Une loupe. Trace de main. Et là, il manque des livres. Je pense que ça va être là qu'on va devoir mettre les livres. Oubidou, là, il manque rien. Je n'oublie rien. Rien du tout. Non, rien de rien. Je n'oublie rien. Aïe. Ça serait quand même dommage de louper un truc. Hein. On me dirait, après, tu peux recommencer quand tu veux, Jordan. Oui. Mais il y a tellement de jeux d'objets cachés à faire. Puis je vous prépare du sacré contenu. On va retourner à nos premiers amours. Je n'en dis pas plus. Un fil doit... ok, d'accord. Conducteur électrique. Et un peu de feu va me fournir une petite quantité d'électricité. Comment qu'on va faire ça? Comment qu'on va faire ça, s'il vous plaît? Ah! Ok. On a notre dernier livre et une clé en or. Parfait. Donc, normalement, là, c'est bon aussi. On a tout fait. On va retourner à la bibliothèque. On va placer les 3 livres, comme ceci. Paf, paf, paf. Et une dernière clé, yes! Hop, ici. Et ici. Voilà, une petite scène d'objets cachés. Une petite scène d'objets cachés. Éléphant. Signe. Lune. Pion. Bague. Ah, attendez, le pion, je l'avais vu en plus. Le pion. Ah, il est là. Bague. Fleur. Une lettre. Un chat.
Le chat, il est là. Pip. Une lettre. Alors, on va placer ça ici. Tac. 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 Et tac. Qu'est-ce que... Ah, maintenant je peux guérir James et le sortir de son hypnose. Morphée perdra le contrôle de son esprit. Ah, j'ai plus la bague DMC. J'ai plus le, la bague. Ah, un scrot zut. Non. Ouais, c'est ça. Apparemment, j'ai des trucs à faire. Tiens. I finally feel like my thoughts are my own. Oh, no more Morpheus in my head. I did remember one ritual while I sat here waiting for you. Ah bah super, t'as pas perdu ton temps. Moi j'ai vécu pas mal de choses. Can you keep an eye on Morpheus and Brown so I have time to prepare everything? Ouais, y'a pas de soucis. On a fait un échange de corps. Oh le délire. Sure, good luck. James Blackthorne. Ça me plaît pas d'envoyer Anna seule contre Morphée, mais me faut encore du temps pour me préparer avant d'affronter cet esprit mauvais. Bon, j'ai un nouveau connecteur après avoir perdu le premier. Besoin d'un rituel qui permettra de tuer un esprit aussi puissant que Morphée. Bannir l'esprit. Mince, heureusement, nous conservons toutes les herbes expérimentales qui pourraient m'être utiles au siège des Detectives United. Et ben on va trouver une solution. On va trouver une solution. Hop. Et on va tout positionner ici. Alors, le calice. Le couteau rituel. Non. Ouais. Mais il va nous manquer des trucs. Il va forcément nous manquer des trucs. Parce que je me souviens, je crois qu'il y avait encore des choses à faire. Là, par exemple, donc... Peut récupérer la sève ou pas? Non, toujours pas. Toujours pas. Et ça, est-ce qu'on peut couper? Soigneusement. Ah ouais, d'accord. Non, mais alors, du coup, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Bidou, bidou, bidou. Là. Manivelle. Super. Est-ce qu'il nous restait autre chose à faire? Ici. On doit dissiper la fumée avant que nous suffoquions tous. Aïe, 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 aïe. Ici. Ok. Un extincteur. Hop. You. How did you break through my hypnosis? You will pay. Oui, je sais que je vais le payer forcément. Je suis prêt à vaincre Morphée une bonne fois pour toutes. Seul le couteau rituel pourra vaincre un esprit aussi puissant. Ouais. Ah, attendez. Oui, c'est ça, il me manque encore des trucs. Je peux pas la récupérer comme ça? Non, vous êtes sérieux? Genre de la rosée que tu chopes avec ça? Là, c'est pas logique. Là, ça n'a aucun sens. D'accord, donc, ouais, voilà, j'imagine que ça aussi, ça faisait partie du délire. Hop. Donc, on met ça là-dedans. On met ça là-dedans. On trempe le couteau dedans. Notre couteau, il est magique. Ah, par la magie du scénario. Le scénario. Hop. Allons-y. Je dois détourner les attaques de Morphée. Et ben voilà. Info. Servez-vous des miroirs pour relier les gemmes de même couleur avec des faisceaux. Sélectionnez un carreau pour y placer un miroir, puis une gemme pour voir le lien. Les lignes peuvent se croiser. Chaque miroir peut refléter des lignes
des deux côtés. Bon. Ok, ok. Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On est bon. On est bon. On est bon. On est bon. Ah, le rose. Ok. Bien Anna, fait pour toi. Brown, are you okay? James, you saved us. Thank you. What did I? I'm sorry. Morpheus caught me off guard. Don't worry, it's all over. It's been a rough evening. How about we have a glass of wine in the nearest pub? Excellent idea. Ouais, un verre de vin. Allons-y, parce qu'on est des détectives et qu'on est tous des poivreaux de toute façon. Mais oui, mon loulou. Bon, et ben voilà, on a fait le bonus de Detectives United 3, Traversée Intemporelle Édition Collector. C'était sympa, c'était plutôt pas mal. J'aurais pu coupler en fait cet épisode avec l'autre. Mais du coup, vu qu'on va prendre quand même un petit peu de temps pour à la fois parler de ça, de ce jeu-là, et aussi de voir un petit peu les bonus, je me suis dit, bon, ça fera un épisode, même s'il ne fait que 15 minutes, ça fera quand même un épisode à côté pour terminer l'aventure. Je voulais quand même dire quelque chose, c'est que je trouve vraiment le concept très intéressant, parce qu'autant autant faire des sagas de plusieurs épisodes, voire de dizaines et de dizaines de jeux, Grim Tales, Haunted Hotel, qu'on est au 18ème, on a fait le 18ème là, il y a quelques temps, Mystery Trackers, qui est pareil, une des sagas les plus longues, bah au fond, c'est intéressant, parce que du coup, ça a le temps de développer une narration, des personnages, etc. Mais là, quand même, on en arrive au point où du coup, on fait se croiser des détectives ensemble, genre comme un gros Marvel, un Marvel Cinematic Universe, mais avec des détectives, ce qui, je trouve, est quand même assez classe. Le jeu aurait pu être un chouïa plus long, quand même, quand tu te dis, ouais, c'est quand même trois détectives qui vont être ensemble, etc. Tu t'attends quand même à une difficulté un petit peu plus corsée, histoire de mettre du challenge. Sinon, bah, y a pas trop d'intérêt, enfin, il y a quand même moins d'intérêt. Dans ce cas-là, tu te reportes juste sur les aventures de chacun et basta. Par contre, du coup, c'est un jeu qui, je pense, peut devenir très intéressant pour les gens qui ont vraiment suivi toutes les aventures, qui ont fait tous les jeux, et qui donc pourront peut-être comprendre certaines références ou certains clins d'œil. La pièce secrète est maintenant disponible dans le menu des bonus. Nickel. Donc, je pense qu'il doit y avoir des clins d'œil, il doit y avoir des références que quand tu n'as pas joué à tous les jeux, tu ne peux pas forcément comprendre. Bon, on va regarder notre contenu bonus quand même. Hein. On a des très jolis fonds d'écran, très très classe. J'en ai utilisé un d'ailleurs pour les visuels du jeu. Hop. J'aime bien celui-là. Il fait hyper sérieux, James Blackthorn. Et je me souviens plus qu'il avait un chapeau comme ça. Ça le rend trop classe. Là, la statue en mode dark, elle est trop trop classe. Voilà donc pour les fonds d'écran, on a aussi évidemment des ébauches très sympathiques. On voit bien hein, comment les jeux évoluent entre les ébauches, les premières ébauches et la version finale. Même si les éléments changent très très peu au final. Hein. On voit bien là par exemple le couloir, ouais, ça bouge pas énormément. Hop. Et hop. On a la musique du jeu. On a des récompenses. On va quand même regarder ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Hein. Terminer la pièce secrète une fois. Oh, on a une pièce secrète. Oh là là, ça sent le défi. 10 objets trouvés en 10 secondes. Ouais, c'est celui-là qu'on n'a pas. Une soque terminée en plus de 10 minutes. À chaque fois, ça, je comprends pas le délire. Enfin, toutes les soques terminées sans utiliser d'indice. Ah, j'en ai... J'ai utilisé un indice une fois. Vous n'êtes pas sympa. C'est pas sympa. Les fiches d'affaires.
C'est pas mal. Alors ça, la force des agents unis a dû affronter une organisation mystérieuse et se renseigner sur la dimension parallèle. Faire face à leur double maléfique a été une épreuve pour chacun d'entre eux. Parfois, les vieux secrets de famille nous rattrapent quand nous y attendons le moins. Cette affaire a révélé l'origine de l'amulette lunique. James a écrit une lettre dans le passé affirmant qu'il était mort et que l'hôtel de la Sainte Montagne détenait les réponses à ce mystère. L'oncle Samuel a invité James et son frère à une réunion de famille à l'hôtel Suite 18. Cependant, il s'avère que l'hôtel conserve un vieux secret de famille. Donc ça, c'est le jeu qu'on a fait. Alice, la fille adolescente d'Anna Gray, a besoin de son aide pour découvrir la source d'une tragédie qui menace la famille Gray. Ça, je l'ai pas fait. Anna Gray a dû démêler les fils du drame familial et explorer le manoir ancestral pour découvrir la vérité. Pareil, ça, je l'ai pas fait encore. Le neveu d'Anna a disparu de son pensionnat. Votre seule piste est raconter avoir vu une femme habillée en blanc. Pareil, pas fait. La sœur d'Anna Gray a disparu le jour de son mariage. Pour la première fois, Anna a dû se transformer en détective afin de résoudre le mystère. Donc ça, ça doit être le tout premier. Des incendies de forêt se sont déclarés dans tout le nord de l'Oregon. D'après des témoins, le légendaire phénix de l'Oregon en serait le responsable. Le détective doit retourner dans sa ville natale où sa vie a radicalement changé il y a 15 ans et révéler le secret derrière la mort de sa famille. Si, celui-là, on l'a fait. C'était Mystery Trackers, si je ne me trompe pas. Le quartier général des Mystery Trackers avait des ennuis, de sombres secrets longtemps enfouis, avaient failli détruire l'ordre et Morphée en faisait partie. Ah, donc Morphée, on le voit déjà avant. Ok, wow, le délire. C'est le professeur Xiao qui a ouvert la porte vers un autre monde et qui nous a permis de découvrir l'existence de l'ordre des Trackers de l'ombre. Ok. Et la première affaire qui a réuni les trois détectives de renom dans un seul but, retourner un artefact mystique à la reine elle-même. On a les parties de tableau. Ah, il y a du puzzle. Il y a du puzzle. Oh. Hop. J'adore. Tac. Et le dernier. Oh, oh là là, vous êtes tellement beau. Vous êtes tellement beau. Ah non, il nous manque un morceau. Non, je sais pas. Ça fait pas l'effet du puzzle. Oh, c'est bizarre. Hop. Les mini-jeux. Les socs. Et la pièce secrète. Nouvel objectif. Trouver Titan pour accomplir cet objectif. Waouh. En moins de 12 minutes. La salle secrète. Eh bien écoutez, on fera la salle secrète la prochaine fois. On la fera dans un futur bonus. Merci en tout cas à tous et à toutes d'avoir regardé le jeu. Oh non, je peux pas vous laisser là-dessus. Il faut qu'on fasse la pièce secrète. Refaire. Il faut qu'on fasse la pièce secrète là, les gens. Ok, allez, c'est parti. Très bien, très bien. Donc, un bateau. Faut qu'on trouve des bateaux, c'est ça? Des bateaux? Ah non! Mais non, vous êtes... Voilà. Nickel. Faut qu'on trouve des bateaux. Les bateaux, les bateaux, les bateaux! Ah, voilà. 3. Où est-ce qu'il est, le bateau? Bateau! Il est là. Nouvel objectif, trouver crâne de Richard pour accomplir... Oh, purée, il y en a 8. 1, 2... Donc il doit y en avoir 2 à chaque fois. 3 et 4. Ok. Hop. Hop. Et hop. On remonte. Regardez partout, on regarde partout, un crâne. On va y arriver, on va y arriver. Et le deuxième crâne. 12. 1. Ouais, ouais, ouais. Oh la vache. Donc ça veut dire qu'il y en a 3 à chaque fois. Voilà, 3. 1. 2. Il doit y en avoir un par là, tous les coups. Bon sang, bonsoir.
Oh, le stress! Le stress! Si vous voyez, jamais vous voyez l'objet, n'hésitez pas à me le dire, parce que là, pour le coup, je suis un peu paumé. 5. On en a que 5, les gens. Ah! Je l'ai vu, le dernier. Donc ça veut dire, ouais, il nous en manque un. Il y en a un qu'on n'a pas encore trouvé. Il est là, à tous les coups. Ouais, c'est nickel. Il y en a un là, mais je sais pas où il est. Ok, c'est bon. 16 insignes des Magrets. 2. Il doit y en avoir au moins 4 là. Ah purée, je l'ai vu. Je l'ai vu. Allez, transforme-toi. 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 3 sur... Bon, tant pis, on va aller, on va changer de pièce. Ah, le dernier. Ok. Allez, 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 allez. Je l'ai. Nickel. Hop là, 2. 3. Le dernier, je l'ai vu. 4. 2, 3. Et le dernier, je l'ai vu aussi. 4. Symbole du temps perdu. 1. Il est là. Il est là, il est là. Hop! Avec 4 sur 20, il doit en manquer un. Logiquement, vous... Ah, il est là. Ha ! Ok. 1, 2, 3. Ah. Et c'est ultra dur. Hein. C'est ultra dur. Mais en fait, on élimine au fur et à mesure, donc ça va aller de plus en plus vite d'un sens. Tac, tac. 3. Quatre et 5. Ok. Deux. Ah, attendez, je l'ai vu celui-là. 3. 4. Où est le dernier? Où est le dernier? Où est-il? Ok. 8 arbres sanguins. On est proche de la fin. On est proche de la fin. Pouh, oh la vache! La pièce secrète en 5 minutes 18. S'il te plaît. S'il te plaît. Thug Life. Et voilà donc pour... du coup, ça veut dire... Est-ce qu'on a gagné des récompenses? Est-ce qu'on a gagné des récompenses? Oh, il n'y avait rien par rapport à la pièce secrète? Oh, c'est dommage. Bon, et ben voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode bonus. On se retrouve dès demain pour une nouvelle aventure un petit peu plus spéciale. Cette fois, ça va sortir un petit peu des sentiers battus. Et puis, d'autres jeux d'objets cachés arrivent sur la chaîne Casu. N'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. À ciao, bye.